Oui, nous l'avons dit, nous sommes un gouvernement de mission et nous serons un gouvernement de résultats. Parce qu'il ne saurait être question de faillir dans la réalisation de la vision 2030 de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son projet de société, une Côte d'Ivoire solidaire. Pour y parvenir, nous devrons travailler sans relâche, mobilisés et unis pour doubler le PIB par tête d'habitant en 10 ans. Nous devrons atteindre l'accès universel aux biens publics essentiels, et ce, en continuant de toujours renforcer le caractère inclusif de notre croissance. Pour y parvenir enfin, nous devrons faire de l'emploi un combat politique quotidien, une cause nationale permanente, en mettant tout particulièrement au cœur de nos actions l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Deux enjeux sans lesquels la Côte d'Ivoire solidaire ne sera jamais pleinement réalisée. Pour la première fois dans nos pratiques, un séminaire gouvernemental accueillera la participation du secteur privé pour initier la transformation culturelle totale que nous voulons conduire, tant dans la construction des mentalités que dans les pratiques de notre administration, pour qu'elles puissent demain se mettre réellement au service du secteur privé, non pas tant pour le servir d'ailleurs que pour l'aider à réussir. Parce qu'en faisant réussir ces entreprises, comme ces entrepreneurs, l'État se fait réussir lui-même, fait grandir son pays et fait prospérer ses populations. C'est cette révolution des esprits et des pratiques, ce changement de paradigme si ardemment souhaité par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous allons ensemble, tous ensemble, initier et faire gagner.